ma fille, c'est quoi ça? Ne joue pas avec ça. Papa, tu es un assassin. Ma fille, ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Tu as tué. S'il te plaît, ne joue pas avec. Tu as tué le père de mon enfant. Écoute, écoute. Papa. Attends, vous, monsieur. Qu'est-ce que je viens de voir là? Ta main était où? Je l'ai arrêtée, non? Tu l'arrêtes en tant que qui? Et même, attends, passe un peu comme ça. Chiara? Quoi? C'est quelle façon d'être habillée, ça? Dis-moi. Quand j'ai grandi, non, je m'habille aussi comme les jeunes filles. Tu as grandi devant qui? Devant qui tu as grandi? Je t'ai déjà parlé. Les cuisses comme ça, là, ne doivent pas être dehors. Ok? Et qu'est-ce que tu as sur la tête là? C'est quoi ça? Qui t'a donné ça? Papa, c'est ma perruque, non. Quelle perruque? Hein? Et lui là, c'est qui? C'est Simon Pierre, mon petit ami. C'est qui? Simon Pierre. Simon Pierre? Attends, Ngabche? Oui, papa. C'est toi, Ngabche? Oui, monsieur. Tu as le courage d'arriver chez moi? Après avoir lui écrit toutes ces lettres d'amour à ma fille? C'est toi qui l'as dit tout? Père, je voulais vraiment me présenter devant vous. Te présenter de, ouais. Devant moi, en tant que qui? Papa parle aussi de hein, en tant que qui? Tu parles comme ça à qui? Hein? Ouais, donc, tu t'assois, j'envoie ma fille à l'école. Toi, de ton côté, tu te permets de lui écrire des lettres d'amour, des mots d'amour, des phrases de tendresse et tout. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Pas ouais, écoute aussi, non. Écoutez quoi? Il a quoi dit? Je voulais venir vous parler de ça, moi-même en personne. Parler de quoi? Ah, c'est toi d'abord. Il voulait me parler de quoi? C'est même moi qui vais te parler, papa. Tu veux me parler de quoi? Hein? Papa, bon, c'est dur et... Qu'est-ce qui est dur? Dis d'abord que tu vas pas te fâcher. Donc, parle-moi si tu as me parler. Je me fâche quand je veux, si tu te comportes mal. Tu me racontes quoi? Je te fais des fausses promesses? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que tu as été un bon père, non? Je le suis toujours. Tu es toujours, oui, même tu es toujours un bon père. Tu t'es toujours occupé de moi jusqu'à cet âge. Et je le ferai toujours. Mm-hmm. La preuve, je ne veux plus te voir en compagnie des personnes pareilles. Ouais, bah attends d'abord, fin de t'expliquer, non? Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? Quelque chose de bizarre, de compliqué, pas. Attends, tu as eu un problème à l'école? Hein? Non, c'est pas ça. On t'a dit quoi? Je n'ai pas payé ta pension? Non, pas tu as payé. Non, j'aime pas ça. Attends, qu'est-ce qui ne va donc pas? On t'a volé, on a eu à prendre tes effets scolaires? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Pas, j'ai peur de te dire. Si tu as peur de me dire, tu entres dans la maison et lui flocant d'ici. Tu veux me dire quoi? Pas, tu sais que dans la vie, non. Malgré toute l'éducation que les gens reçoivent, il y a toujours des erreurs qu'on commet. Et c'est à travers ces erreurs qu'on grandit. Attends, tu me fais déjà un cours de philosophie? Hein? Tu parles de quoi? Déroule, déroule. Tu veux me dire quoi? Il y a quoi? Il y a les erreurs dans la vie qu'on fait, non. On ne voulait même pas, mais ça arrive seulement. Donc le plus important, c'est de tirer une leçon. Je voulais que... Chiara, tu veux me parler, oui ou non? Je veux te parler, pas. Je suis en train de parler, non. Je voulais te dire que pas. Ça fait 2 mois que je n'ai pas reçu mes règles. Mais attends un peu, ma fille. Si tu ne reçois pas les règles, c'est un problème? Hein? Tu n'as pas les rapporteurs, tu n'as pas les équerres? Tu prends ça, tu utilises à la place de la règle. Est-ce qu'il y a un souci? Hein? Pas, je veux dire que ça fait 2 mois que j'ai en retard. Attends. Attends, là tu vas me faire avoir mal à la tête. Ton retard là, n'est-ce pas, tu pars toujours de la maison ici très tôt pour l'école? Tu ne pars pas toujours très tôt à l'école? Pas. Comment se fait-il que tu arrives à l'école en retard? C'est normal? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je veux te dire que je suis enceinte et que c'est lui le père. Hey! Chiara! Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es enceinte? Hein? Gapchen! Gapchen Simon Pierre! Gapchen!
Attends, capture, capture, je dis, capture, 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 capture. Je dis, écoute, c'est toi qui as tué ma fille, c'est toi qui as tué ma fille, tu as tué ma fille, hein? Quel monsieur? Monsieur, c'est qui? Quel père? Ben, je vais m'occuper d'elle. Tu vas me laisser? T'occuper de qui? Je vous assure. Envoyé comme toi. Je vous promets. Envoyé comme toi. Envoyé comme toi. Hein? Envoyé comme toi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Arrête de mon mieux. Quel mieux? Papa, s'il te plaît. C'est que tu vas faire? Tu vas dégager d'ici. Hein? Capture. Capture. Je prends ma fille, je l'envoie à l'école. Je fais tout pour assurer sa scolarité. Toi, de ton côté, c'est que tu trouves mieux le faire, c'est faire quoi? C'est de la dévier de son éducation! De son éducation, capture! Hein? C'est ça? C'est ça là? Hein? C'est ça? C'est ça là? Papa. Ah, attends, il ne respire plus. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Papa, c'est comme s'il ne respire plus. Hé, hey, qui va là? Dégage là! Papa. Il ne respire plus quoi? Il va le tuer! C'est... Papa, il est mort, tu l'as tué! Papa, tu l'as tué! Papa, tu l'as tué! Tu l'as tué, papa. Mon Dieu, mais commencer par où? Tout ça, c'est à cause de toi. Ma fille, regarde ce que tu m'as fait faire. Il ne respire plus. Hein? Papa, tu es un assassin. Papa, tu es méchant. Qu'est-ce que pourquoi tu es toujours est-ce que tu vois ça? Ce que tu viens de me faire faire? Papa. Est-ce que tu vois? Hein? Tu vois à cause de toi. Je vais finir mes jours en prison. Simon. Hein? Ouais, mon Dieu. Ouais. Ouais, j'avais bien dit. Ce démon-là, les Jakarta et autres, ces égrégores. Hey, Rob. Hein? Tu as tué l'enfant de Kouy. Ouais. Écoute, ma fille, va dedans. Hein. Va dedans, je vais trouver une solution. Vas-y, va, va. Je vais trouver une solution. Vas-y. Je vais trouver une solution. Ma fille, c'est quoi ça? Ne joue pas avec ça! Papa, tu es un assassin! Tu as tué le père de mon enfant! Ma fille, on ne joue pas avec ça! On ne joue pas avec! J'ai l'aide de quelqu'un qui va jouer! Écoute, ma fille, écoute-moi! Écoute! Tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien! Non, tu maintenant, comprends? Moi, je devrais t'écouter! Pourquoi toi, tu n'écoutes jamais les autres? Mon amour, écoute un peu! Tu es tout ce que j'ai d'important dans ma vie! Tu comprends? Je ne peux vouloir que ton bien! Rien de plus. Ne fais pas ça. Tu vas tuer ton père. À cause de toi, mon enfant va grandir sans père. Je trouve ça normal. Je serai là pour lui, ma fille. Mais pas la même chose. Si, je serai là. Ne fais pas ça. Écoute, écoute, laisse-moi te parler. Je suis tout ce que tu as. Et tu es tout ce que j'ai. Tu comprends un peu? Tout à l'amour, si je voulais te parler, est-ce que tu m'as écouté? Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas est-ce ça. Est-ce que tu m'as écouté? S'il te plaît, tu es mon gars. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu risques de regretter toute ta vie. La personne qui devait mourir, cela, c'est toi. Ma fille, ne dis pas ça. Tu es méchante. S'il te plaît. Tu sais, tu es tout ce que j'ai. Tu n'es pas mon père. Pardon. Tu n'es pas mon père. Ne dis pas ça. Tu es tout ce que j'ai. Et je suis tout ce que tu as. J'aurais dû rester avec maman. Et le moins, je m'écoutais. Ma fille, ne dis pas ça. S'il te plaît. Ne dis pas ça. Tu comprends? Baisse ton âme. S'il te plaît. Comme ça. Hein? Attends, donc tes mauvais esprits là me poursuivent déjà jusque dans mon rêve. Hein? Je suis endormi dans mon sommeil. Tes mauvais esprits sont là. Tu voulais me tuer pourquoi? Tu veux me tuer? Kiara,
Le prince t'a dit de bloquer le niveau chaque jour. Je t'ai bien dit hier quand tu partais te coucher, je t'ai dit que tu n'étais pas lavé. Tu n'as pas compris. Voilà, maintenant tu n'as pas fait les mauvais, tu m'as accusé. Moi, elle fait tu quoi? Tu parles comme ça à qui? Non, parce que toi aussi tu exagères. Moi, entre toi et moi qui a enseigné le bain à l'autre. Non, c'est la même chose. Toi, tu, là, tu fais des rêves, tu m'as accusé. Écoute, dans les rêves. Ce qui commence déjà à se passer ici devient inquiétant. Tu comprends un peu? Il faut prendre ta Bible, tu la lis. Il faut beaucoup prier. Parce que ça veut dire qu'il y a les mauvais esprits qui sont déjà à ma trousse à cause de toi. Papa, toi tu es en train de faire tes cauchemars, moi je dois prier pour quoi? Tu ne peux pas prier pour ton père? Papa, toi même tu dois prier pour toi, mais chacun prie pour lui. Donc tu ne sais pas que les égrégores là sont en train de me poursuivre à cause de toi? À cause de ta mauvaise façon de vivre? À cause de tes fréquentations diaboliques que tu as là dehors? Jusqu'à tu prends le PA dans le rêve, tu me pointes sur la tête, tu tires, tu me tues. Eh papa, hein? C'est vrai, dans la rêve, ça n'a rien. Elle sourit. Tu es fier? Non papa, il veut seulement savoir. Non. C'est King Gap chez Simon Pierre. La lettre que tu avais reçue ici. Donc tu continues de fréquenter ce gars. Papa, où? Je ne le vois même plus. Dans mon rêve, vous êtes venus la main dans la main. Hein? Papa, c'est juste le rêve, non, c'est la réalité. Pardon? Tu ne sais pas que le rêve, c'est le début de la réalité? Tu ne sais pas ça? Hein? Ou alors c'est une programmation qu'on est en train de faire quelque part pour moi? Pardon, il faut redoubler de prière. Cherche ta Bible, tu t'assois, tu lis. Tu comprends un peu? Pour que les égrégores qui sont en train de suivre ma vie là commencent à m'éviter. Parce que c'est à cause de toi. Papa, toi, tu parles, j'ai des problèmes, on doit prier pour toi. Tes relations, tes fréquentations, c'est moi qui te les ai attribuées. Hein? Pourquoi ça, l'autre, qu'on persécute? Moi, je suis tranquille, pourquoi? Et les Santos et autres là, tu t'appelles Jakarta. C'est comme ça qu'on t'appelle. La capitale d'un pays. Donc à toi seul, tu réunis les démons d'un pays. Lève-toi, tu t'en vas. Tu vas prendre ta Bible. Tu lis tout à l'heure là, le psaume 51 pour demander pardon à Dieu. Et tu lis le psaume 35 qui est un psaume de combat. Debout! Mets-toi debout! Toi, tu vas lire quel psaume, bam. Tom, tu exagères. Moi, je m'en veux dormir. Toi, tu lui as dit ça, tu vas lire à Bible. Regarde là. Regarde. Attends, qui toque aussi à la porte là? Hein? Coucou chers abonnés, ici c'est Kiara, la fille têtue de Rob le Grizzly. Donc aujourd'hui nous avons décidé de vous faire un épisode spécial pour vous dire merci, mille fois merci parce qu'on voit que la communauté s'agrandit. Et maintenant on a décidé de vous faire un épisode spécial parce que grâce à vous, nous avons pu atteindre le 30e épisode. Comme je le dis souvent, c'est vous notre force. Donc quand vous êtes là, vous commentez, vous appréciez, ça nous encourage à aller plus loin. Ici, ah oui, ah oui. Là, c'est ma fille d'amour. Hein? Elle, c'est Kiara, Kiara, Kiara. Donc voilà, chers fans, chers amis, chers abonnés, vous qui nous suivez à travers le monde entier, on sait partout, les quatre coins ou alors, je ne sais pas, on dit le nord, le sud, l'est et l'ouest. Uh-huh. On sait que vous nous suivez nombreux. Donc voilà. Nous étions au 30e épisode et bien plus même déjà, nous voilà. Sommes à plus de 30 épisodes déjà. C'est vous notre force, c'est grâce à vous, parce que ce bébé, la grossesse vous avez vu, hein? Elle est entrée devant vous, et le ventre a poussé devant vous et puis voilà, l'enfant est né devant vous et il est en train de grandir. Et grâce à vous et à vous seul, hein? Mm-hmm. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30 épisodes. Continuez de nous suivre, continuez de suivre cette série sur la chaîne Les Kions. Oui. Les qui ont quoi? Caméra. Oui. Voilà. Et suivez-la, surtout. La petite, la pépite, la nouvelle pépite du cinéma, vous voyez, elle joue très bien. Elle joue très bien. Et je suis fier de l'avoir à mes côtés, comme ma fille et tout. Moi aussi. Je l'adore. C'est vrai qu'on dit qu'on adore Dieu, hein, mais je l'adore. Suis sa chaîne Facebook. Oui, c'est quoi, la page Facebook, Kiara Officiel. C'est la page Facebook, voilà. Mm-hmm. Kiara Officiel. Oui. Oui, continuez, abonnez-vous, suivez-la au quotidien. C'est vous notre force. Sans exactement. Vous, nous ne sommes rien. Donc nous ferons des efforts. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous au maximum. Hein? Ensemble, nous sommes plus forts. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, demain ne meurt jamais. Nous sommes là, nous continuons de bosser pour vous. Kiara, Kiara, arrête. Tu t'es habillée comment là? Ouais, papa. Tu t'es... Attends. Non, mais non. Tu viens devant les abonnés comme ça. Non, va mettre ton cabas. Passe comme ça. Ouais, va mettre ton cabas. Va là-bas. Mais va mettre ton cabas, c'est quoi ça?